que trop. Hein. C'est la fin des vacances. Oui, elles sont bien finies les vacances. 2 mois. Et nous avons survécu. Pourtant, à mon départ au nord de Montluçon, pas d'argent, ni carte bleue, ni carnet de chèques. Juste 1 euro symbolique. Merci. Sûr. Voilà. Ça se décide pas. Voilà. Je soupçonne mon âne chérie d'avoir pris un certain goût au voyage en VIP. Mais ce coucher de soleil sur la mer comme un point final à l'aventure. Allons, il y aura bien d'autres départs dans l'avenir. Voilà, doucement. Voilà. C'est bien. C'est bien. Super. Allez, viens. C'est bien. C'est bien. Au fait, comment cela a-t-il commencé? À l'époque, je vivais encore en région parisienne. Appartement avec balcon. Autant dire, les ânes ne faisaient pas vraiment partie de mon quotidien. Et puis, l'idée d'un départ, d'une aventure, rien qu'une fois dans ma vie, pour marquer le coup. Voyager avec un âne et traverser la France, du nord de Menton jusqu'à Hendaye. Pour cette aventure, pas facile de convaincre un éleveur. Finalement, j'obtins un contact dans la région du Béarn et ainsi fis la connaissance de Nousty, un âne grand et costaud. Son éleveur accepta de me le louer 3 mois. Un début de mois de juin, l'éleveur m'amena Nousty à la frontière italienne. Un âne dont j'ignorais presque tout. Mais il fallait y aller. Ainsi, je me lançai à l'aventure sur les sentiers du sud de la France. Les Alpes, la Provence, la Camargue, le bord de mer, les régions pyrénéennes. 10 départements traversés. Au total, 1400 km.
ce qui me donna un passeport pour une invitation à une émission télévisée. Il faut s'inventer un concept de pensée, affronter les caprices de la nature, être également en rapport avec un animal, avec une connivence assez étonnante. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous dites « je vais partir avec un âne » ? Oui, ben, en effet, il faut en effet déjà avoir une façon de penser qui fait que... Après, vous arrivez à cette idée, mais ce qu'il y a, c'est que quand vous avez l'idée et après, quand ça se concrétise, il y a aussi du chemin. Oui, c'est ça. Alors, bon, il suffit pas de repérer l'âne. J'avais eu de la chance quand même. Voyager avec un âne ne s'improvise pas. L'âne est un animal, un brin caractériel qu'il faut pouvoir connaître, mais aussi qu'il faut pouvoir soigner. Et cheminer avec lui, à notre époque, sur des chemins où on ne l'attend pas, nécessite un certain savoir-faire, en même temps qu'un certain savoir-vivre. Commençons par la question du chargement. Vous devez composer avec les lois de l'équilibre et aussi faire quelques petits sacrifices pour ménager la monture. Malgré les apparences, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'âne. Celui-ci peut facilement porter les 40 kg recommandés. Même sa colonne ne sera pas abîmée. Volumineuses, les sacoches portent beaucoup d'affaires légères, dont vêtements et duvets. Mais l'essentiel, surtout, sera de bien fixer l'ensemble du chargement. Un chargement mal fixé, et c'est le risque de retrouver toutes ses affaires par terre, même en terrain plat, comme ici sur un pont de la Loire. Si le contenu du chargement est si mal mené, c'est déjà à cause de la configuration des chemins. Mais le responsable peut être l'âne lui-même qui ne sait pas toujours bien se tenir. Cependant, si l'âne ne ménage pas toujours les sacoches, le randonneur, lui, est tenu de ménager sa monture. Cure-pied, brosse, longe, médicaments, l'âne lui aussi emporte ses affaires, sans compter parfois les petits surplus alimentaires. Également indispensable au quotidien, la pause brasserie. Porter, ça donne soif, et ça peut aussi faire mal aux pieds. Nettoyage des sabots ou parages, ne pas négliger les séances de manucure et apprendre à l'âne à être coopérant. Son célèbre coup de sabot n'est pas qu'une légende. Autrement dit, un âne doit s'éduquer. On doit lui apprendre à défier ses peurs et notamment la pire de toutes, sa peur de l'eau. Une phobie atavique commune à tous les ânes. Comme il a peur de l'eau et se méfie des sols incertains, l'âne va également redouter le franchissement des ponts. Là encore, il doit apprendre. Pas de pont. Cette fois, pour l'âne, c'est l'épreuve du bac. Le franchissement des gués, lui aussi, pose problème. Bon, on y va.
L'âne qui a peur ne cherche pas toujours à fuir. Il se bloque sur place, visse ses sabots au sol, ne bouge plus d'un iota. Voilà ce qui fait sa réputation d'animal têtu. Les phobies de l'âne ne semblent pas toujours rationnelles. Des bouts de toile qui flottent silencieusement dans le vent, et voilà Monsieur l'âne qui voit planer sur lui l'ombre d'une menace. A-t-on déjà vu des rapaces enlever des ânes dans le ciel ? Et que dire des transports en van ? Ces boîtes étroites qui semblent rendre claustrophobes tous les ânes. Pourtant, l'âne qui apprend pourra même accepter d'intégrer un utilitaire. Le plus difficile, en fin de compte, c'est le premier pas. Allez. D'une manière générale, l'âne s'habitue facilement à la modernité. Et ses capacités d'adaptation se révèlent parfois très étonnantes. Mais il reste quand même quelques points délicats, comme le franchissement des passages à niveau. Notamment à cause du revêtement sur lequel les ânes n'aiment pas trop poser les sabots. Et même quand les trains ne passent plus, la voie ferrée peut réserver des surprises. Ici, un ancien tunnel ferroviaire sans lumière d'un kilomètre de long. S'enfoncer dans une obscurité opaque, bien qu'en pleine journée, cela ne doit pas être très compréhensible pour un âne. Ici, il s'agit d'un passage routier dans une grotte. Quand elle est en pleine nature, la randonnée avec un âne n'est pas non plus exempte de danger. Des lâchers d'eau de barrage ne sont pas à exclure. Côté météo, si une pluie incessante offre de nombreux désagréments, elle reste relativement anodine à côté de brusques variations climatiques qui peuvent surprendre le randonneur, surtout en montagne. Prudence aussi au moment de chasse. Les chasseurs sauront-ils distinguer l'âne d'un gros gibier ? Mais il y a également des dangers spécifiques à l'âne, tels que l'enlisement.
Là où le randonneur pose le pied sans difficulté, l'âne, lui, s'enfonce. Attention, car notre animal risque de ne plus pouvoir se dégager par lui-même. Quant à la rencontre avec les autres animaux, elle nécessite une certaine vigilance. Un troupeau de chèvres ou de moutons, notre ami l'âne, si on ne le retient pas, pourrait être tenté de vouloir disperser tout ce petit monde. Ce qui nous oblige ensuite à nous occuper des égarés. Avec les vaches, changement d'ambiance. Ce gros animal peut inquiéter l'âne, surtout lorsqu'on a affaire à tout un troupeau de curieuses. Ou bien à une fugueuse qui arrive sur le chemin. Mais souvent, le côtoiement des deux bêtes ne pose aucun problème. En ce qui concerne les chevaux, attention. Ce sera généralement le gros cheval qui aura peur du petit âne. Auquel cas, nécessité d'avertir le cavalier. Ou le cocher comme ici. Et si c'est un chien qui rencontre un âne, le danger sera surtout pour le chien, même de grosse taille. Car il arrive que des ânes attaquent les canidés à coups de sabots. Là encore, nécessité de prévenir le propriétaire. Le chien, généralement, ne se méfie pas. Quelques bons soins et quelques bonnes précautions permettront à Monsieur l'âne de vous accompagner partout. Lieux célèbres, mythiques et improbables. Il deviendra l'animal de tous les défis. C'est chanter avec le vent. Toi qui connais les sables et l'océan, les forêts sauvages, les aigles et les loups. Et l'âne deviendra aussi l'animal des voyages improvisés, riches en imprévus. Ici notamment, un tour de France qui bloque la suite de notre chemin. Évidemment, la priorité est aux cyclistes. Mais randonner avec un âne nous confronte parfois à des situations problématiques où les dangers se combinent entre eux. Un pont avec de l'eau dessous, une circulation intense, un espace réduit pour avancer. Là, danger. Il faut faire très attention. Ainsi, voilà un peu ce que j'ai appris pour voyager avec un âne. Et voici aussi ce que j'ai dû apprendre à mon âne chérie. Car maintenant, j'habite dans la région du Perche
et c'est avec mon propre âne que je voyage.